Ouais, c'est un plaisir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve je ne sais combien de temps après. J'ai pas filmé du tout. J'étais dans mon truc. Petit update. Je suis parti à Châtelet aujourd'hui pour faire un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu de shopping, pour me préparer aux vacances que je vais avoir le 2 septembre. Et pour l'instant, je ne vous dis pas où je vais, à part si j'ai déjà dit avant, ça serait cool. Je vais vous montrer déjà, je vais vous faire un petit haul vite fait de ce que j'ai acheté. Assez très rapide, déjà on peut voir le t-shirt que j'ai sur moi. Vous jugez. Voilà, un petit t-shirt. Voilà, un petit t-shirt noir tranquille, c'est. On est bien. J'ai acheté des paires de chaussettes Nike parce que les miennes elles sont presque toutes trouées. Voilà. J'ai acheté un t-shirt de bain parce que je n'en ai pas beaucoup, c'est un peu noir. Et j'ai acheté celui-là. Sorte de bain coloré, j'aime bien le délire. Je me suis dit, si je bronze bien et qu'il fait chaud là où je vais, ça peut faire un petit délire avec ça. Je vais pas les essayer parce que ça sert à rien, je trouve. Mais ça va être lourd. Après, j'ai acheté des AirPods parce que les miennes commencent à bugger, ça me saoule. J'en suis à 4 ou 5 paires de AirPods au bout de 3-4 ans. Pas du tout un bel F. Et je me suis acheté aussi un nouveau chargeur, un chargeur rapide pour Samsung parce que ça me saoulait d'avoir un chargeur lent. Et voilà. Sinon, on est de retour. Je suis resté 3 mois chez mon père. Bien profiter de la piscine comme on pouvait. Mais ça faisait pas beau tous les jours. Et là, je suis de retour voilà, dans ma banlieue. Je me prépare au voyage. Sinon, tout se passe bien. J'espère que vous, ça va bien. On s'y est au courant. Je sais pas s'il va se passer. Je sais pas si je vais filmer. Je vous laisse avec la suite. Je sais pas ce que je vais filmer après. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si j'attends de filmer quand je serai en train de faire ma valise et tout. Et ça me saoule déjà de penser que je vais faire ma valise. Ça me saoule de ouf. Je suis deg. Mais bon, on se retrouve après. Tout de suite. Yo, j'ai commencé à faire ma valise, enfin, j'ai commencé à préparer mes affaires pour la valise. Et je vais vous faire l'inventaire rapide, mais j'ai pas fini encore. Du coup, on va commencer par les chaussures. Ouh, on commence par des Yeezy que je ne respecte pas parce qu'elles me font mal aux pieds. Du coup, je les écrase derrière pour pas comme ça. Bref, ça va être ça, c'est mes chaussures de tous les jours. Voilà, au cas où s'il fait chaud froid ou quoi. Là, on a les Nocta Violette. Voilà. Nocta de Drake, spécialement pour restaurant, soirée, etc. Ça, pareil, je pense aussi. Restaurant, etc. Là, on a les Yeezy 700 Boost, que j'ai acheté 300 euros, que j'ai toujours pas essayé parce que, comme vous voyez, il y a encore les jaquettes, je viens juste de la sortir de la boîte. Je devais les vendre, mais en fait, je pense que je vais les garder. Et je suis en train de me dire, est-ce que j'en enlève pas une des trois, là? Parce que je sais pas. Je sais pas s'il y a assez de place. En fait, ma valise, elle doit faire 23 kilos. Et déjà, ça là, ça fait beaucoup. Bref. Après, là, on a un short IC. J'ai pas beaucoup. J'en ai un autre, mais il est à laver. Du coup, on va le laisser laver. Mais je pense qu'il faudrait que j'en rajoute. Là, on a trois shorts de bain. Plus un qui a lavé, donc 4, ce qui est suffisamment bon, je pense. Là, c'est chaussettes, etc. Bon, là, j'ai racheté les chaussettes Nike parce que, vas-y, les miennes, elles sont mortes, comme je vous ai dit hier. Là, deux pantalons. Soirée, voilà, quoi. Là, on a un jogging Adidas. On va le laisser là. On réfléchit encore à si on le prend ou pas. Claquettes... les slides, pardon. Important, très important. Ça, c'est mes chaussures du départ, ça. Ça, ce sera pour tout ce qui est sorti. Voilà, genre, on sait jamais randonnée, quad, etc. Je sais pas si je vais prendre ça. Là, ça constitue tous les t-shirts. Il y en a à peu près 6, plus celui-là que je portais le jour J, ça fait 7. Là, on a l'ensemble marron dystopian, on a l'ensemble gris dystopian, et là, on a l'ensemble Ralph Lauren. Et on a deux pulls, deux t-shirts longs. Enfin bref, vous avez compris. J'en ai marre parce que je suis dans un débat sans fin avec les gens qui me disent ça. Je vais prendre ça aussi. Mais je me dis ça fait trop de haut. Du coup, je pense que je vais prendre celui-là. Je vais enlever le bas de ça.
Ce bas-là, qui est juste là. Parce que ça flingue et c'est parce que c'est du IC. Voilà, voilà. Petit inventaire de... J'ai peur parce qu'en fait 23 kilos ça va vite. Et la valise elle est lourde. Ça va passer, ça va passer. De toute façon, si je peux pas mettre assez d'affaires dans mon truc, je mettrai dans mon sac. Voilà. Vous connaissez la technique de Blédard? Puis au plus, il faut prendre le parfum. Ça va être compliqué tout ça. On va gérer, on va gérer. Moi je vous laisse pour ça. On se retrouve, je sais pas quand. Mais qu'à vous, de toute façon, je vous tiendrai au courant si la valise est rentrée ou pas. Et ça va être compliqué, ça va être drôle. Ça va être compliqué, drôle en même temps. Bref. Belek. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis mort KO là. Il est. Je sais même pas, il est quelle heure. 7h15. On est vendredi 1er et je pars demain. Aujourd'hui, au programme, je dois échanger mon argent en dollars. Je dois aller me faire coiffer avant de partir. Et je sais pas quoi d'autre, mais il y aura plein d'autres choses à faire. Je sais pas si je vais filmer, je vais voir. Et je suis pressé de partir. Et je dors pas. Trop bien ça. C'est trop bien, c'est génial. Sur ce, moi je vous laisse sur ça. Je vous laisse avec la suite. Faites belle avec à vous. Au revoir. Re. Là vous allez me dire putain les gars, voilà les trucs. J'ai mis un foulard sur ma tête pour bien que les cheveux y tiennent. Du coup j'ai fini ma coiffure, je sais pas si vous avez. Ah non, j'ai pas montré du coup. Mais bah, allez, je vais m'ajouter sur Insta, Snap et tout, j'ai mis des photos. Je vais pas tout vous montrer ici aussi. J'ai trop gratté la mèche avec moi, voilà. Bref. J'ai changé mon argent, ma valise elle est faite, tout est prêt. On se barre demain, on se lève à 7h. Là il est déjà. Il est quelle heure? 22h bientôt. Je vais sûrement pas dormir jusqu'à demain. Mais fuck. On se tient au courant. Belek à vous. À demain. Vous avez kiffé? Moi aussi. Il est 7h du mat. J'ai pas dormi de la nuit. Parce que je me dis que je vais dormir dans l'avion. Si j'arrive. On a rendez-vous à l'aéroport à 8h. Il est 7h. La valise est prête. Le sac il est prêt. Une petite glace. Mais qu'il a rien compris du tout. Enfin, bref. De toute façon, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Eh, Chaba. Il y a quoi ton prénom espagnol, Chaba? Angel. Angel Bacal del Tino del Papi Muñano. C'est Jalantino Tejada. Jalantino Tejada. Take off the fufu, take off the cloud chain, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside, take off your idols, take off the... Take off the cloud chain, take off the... Est-ce que c'est moi? C'est bon. Mec, c'est la panique. Mais quelle heure, Valentin? Il est 2h15. 2h15, on embarque à midi. Encore 3 heures devant nous. C'est trop bien. Ouais, on va aller jouer à ça, je crois. Heures d'attente, c'est tout ce qu'on a su manger pour avoir des écouteurs. J'ai plus de batterie, je suis serré. Voilà.
ça, nous les grands. Moi, je vais dormir. Pas ici. De quoi? Totalement arrivé à Punta Cana. Ouais, ça c'est quoi les gens? J'espère que vous allez bien. En fait, là, j'ai eu un contretemps. En fait, les prises à Punta Cana, elles sont pas comme en France. Elles sont comme ça. Elles sont de la sorte. Et du coup, c'est compliqué. J'ai oublié ce petit détail-là. Et du coup, bah, vu qu'on est arrivé tard, parce que l'avion a pris du retard, bah, les magasins qui sont dans l'hôtel bah, étaient fermés. Du coup, je pouvais plus prendre des prises pour les mettre sur les prises de France. Du coup voilà, mon téléphone était éteint toute la nuit, j'étais comme en ouf. Là c'est bon, là je peux le charger, je suis content. On a pris des cartes SIM pour la Wi-Fi. Et là on va s'apprêter à aller manger. Et après aller à la plage ou à la piscine, sachant que... Ouais. Ça fait comment notre pote le deuxième? Je sais même plus, voilà. Ah, ouais, Wesley. Ouais, Wesley. Et voilà. Il me dit, mais comment t'as fait? Il y a un Dominicain, il est très gentil, il nous a déposé en moto. Voilà. Et en descendant, bah, je me suis brûlé contre son pot d'échappement. Bref, moi je vous laisse là. On se retrouve pour la suite. En tout cas, l'hôtel est cool. Hein. Attendez, je vous fais un petit. On allait sur un article pour avoir un mec. On est bien? Non, on est bien. On est bien. Ouais, franchement, on est bien. On est bien. Je vous ai pas fait un petit room tour. Je sais même pas si j'ai fait un petit room tour. Hop là, petite douche, bien sympa. J'ai du mal à lever le bras parce que bah, du coup j'étais à la salle. Et vu que moi je suis un mec, je vais pas à la salle. Et bah j'ai mal au bras, voilà, je fais le con. Je fais le con maintenant. Ouais. Mais bon, en tout cas moi je suis bien content d'être là. Même si je suis en vacances, de toute façon je pense que je vais continuer à filmer. De toute façon on va vous partager ça à fond. Et restez branchés, restez branchés, restez branchés. Et là je pense que je vais commencer à taffer sur mon VHS pour le poster sur Insta. Et voir quel genre de photos je vais faire ici, parce qu'il faudra bien que je fasse des petites photos quoi. Punta Cana, ça se... Ouais, Punta Cana, c'est une foire en fait. Vous avez capté ou pas? Bref, une petite note sur 10, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, allez. Vamos à la paille. J'arrête, c'est bon, j'arrête. On a réservé un restaurant américain. On va noter sur 10. On va noter sur 10. On va tout goûter sur la carte. Tu vas noter. Je vous montrerai à ta soeur après. Mais
qui n'ont jamais fait de cheval avant, vous n'avez rien à craindre. Ces chevaux, ils sont automatiques, ils sont autopilotes. Ils sont super faciles à monter. On a un petit banc sur la plage, donc pour vous êtes tous des débutants, on a un petit banc pour vous monter, vous asseyez sur les chevaux. Ils connaissent la route. Okay. Bon, tranquille, vous n'avez rien à faire. Par contre, ça arrive qu'il y a des gens qui ne font pas de cheval à cause de problèmes de santé. Les gens qui sont allergiques, ça donne des gens qui sont là. J'ai rien à dire, première journée d'activité là. Moi j'ai un peu la rage d'avoir mis ça sur la tête, mais tranquille, c'est pas grave. En tout cas, c'est énervé sa race. Je pourrais pas trop filmer, mais de toute façon, je vous mettrai les trucs. Ça va être énervé de fou. Une vue panoramique. Je kiffe ma ville. Ça fait très très longtemps que je vois ici. Vraiment, je kiffe vraiment Yeezy dans le sable. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Et ouais, on fait du cheval. Il a plu de ouf. Là, il fait pas beau là. C'est trop bien en tout cas de faire du cheval. Je vais galoper après. Je pourrais pas filmer malheureusement parce que c'est pas possible de gérer tout ça à une main déjà. Oh, je me suis fait mal. Je me suis mangé déjà la chima. Ça m'a fait archi mal. Bon. Je vous laisse, moi, je vais aller ride my horse. Nous sommes actuellement sur une île par mes soins, totalement privatisé, c'est incroyable. On va à la recherche des tortues. Vas-y, ils sont montés. Ah, ça mange mes cheveux. Non, mais restez là. Hey, en fait, moi, je suis un pont. Du coup, mon pote. Alors, ça fait mal quand ils sont. Il s'accroche à mon nom, je comprends pas.
Il se casse, voilà. On est bon qu'à ça, nous. Buggy de qualité. Avec mon gars de HR. Pas comment ça se passe là. C'est comment dire, c'est physique hein, les vacances là. Physique. J'ai pas pu filmer beaucoup de trucs parce que on n'était pas sur la tyrolienne. Je sais que j'ai pu filmer les câbles et tout, mais j'aurais bien voulu filmer du coup la tyrolienne en entier et tout, mais bon, on pouvait pas parce que les téléphones déjà étaient interdits, c'était pas pratique de prendre le téléphone avec nous. Après tout ce qui est plage et tout, je pense que c'est un peu plus facile. Par contre moi j'ai beaucoup aimé le buggy, c'était hyper cool. Là je suis sur 9 jours de montage, ça va être compliqué je trouve. C'était compliqué parce que je sais pas ce que je vais mettre, je sais pas ce que je vais pas mettre, etc. Parce que je sais pas non plus que la vidéo fasse une heure et demie, quoi. C'est un peu chiant. Mais sinon, en tout cas, bilan en vacances, moi je kiffe. Hein. Voilà, je crois que c'est les meilleures vacances que j'ai fait. Hein. Après, c'est très fatigant. Ça, on a enchaîné 3 jours d'activité, c'était intense. Mais bon. On a bien bronzé, on a bien. On a bien dormi, on a bien fait ce qu'on voulait faire. Franchement, c'était cool. Là, il nous reste aujourd'hui, donc vendredi, pour profiter un peu. Et demain, à 13h, on part. On vient de voler l'état à 17h et on arrive à 8h en France. Ouais, donc, on a large le temps. Mais ça va, parce que ça sera un vol de nuit, du coup. Je pense qu'en voyant le dehors, j'aurais envie de dormir, donc ouais. En tout cas, moi je vais vous laisser, je vais aller profiter un peu de la journée. Mais voilà. Faites attention à vous. Et restez pas seul. On se tient au jus. Je suis con. Oh shit. Du coup, on va rentrer. 9 jours incroyables. J'ai essayé de rentrer. Retour à la réalité. Je vous ai pas trop filmé les derniers jours parce que on s'est beaucoup reposé, on a voulu profiter au max. Ce qui nous restait comme jour. Franchement j'étais pas ouf les 20 jours, c'était pas ouf. On n'a pas fait grand chose à part rester avec des gens qu'on connaissait d'ici. Et sinon le Takala ça va faire, hein, je pensais. En tout cas. Moi je vous reprends quand je rentre à Paris pour finaliser la vidéo et j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas je trouve je suis en train de transpirer comme un porc, c'est dingue. Et dites moi en commentaire si j'ai bien bronzé ou pas, je sais pas si ça se voit du fou. Bref les gens, tout à l'heure. Ouais.
Yo, les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Bah là, on est rentré à Paris, voilà. Je suis deg. Au final, 9 jours, c'est très court. Hein. Au final, 9 jours, c'est très court, mais franchement, c'était des vacances de taré. On a rencontré plein les gens de Paris. On a rencontré un mec de Atlanta, carrément de ATL. Franchement, on a fait des putains de bonnes rencontres là-bas, c'était lourd. Malheureusement, voilà. Toute bonne chose à une fois, comme on dit. Là on est rentré, franchement mon rythme de sommeil il est affolant, je me lève à genre 15h, 16h et je me rendors à 6h. Voilà, c'est dur. Mais bon, là on est rentré, on va reprendre les choses sérieuses, que ce soit les réunions, IC, les projets personnels, YouTube, Twitch, tout ça là. Restez branchés, on va se brancher tout de suite là, on lâche pas les efforts. En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé que je vous partage mes vacances. J'espère que vous aussi vous avez passé des bonnes vacances. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée aussi. Et croyez-moi, les vacances c'est pas fini là. Les vacances sont pas finies pour moi. Voilà, je vous le dis comme ça, vous êtes au courant. Les vacances sont pas finies. Je vais sûrement repartir là d'ici octobre, c'est vraiment pas sûr. À voir comment ça se passe. Mais en tout cas là, je suis en train de me préparer bien pour l'après rentrée, parce qu'on a raté la rentrée. Mais ouais, niveau travail tout ça là, ça va. On va y aller. Bref. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, partagez ça à tout le monde. On est ensemble, on se tient au jus. Faites attention à vous, restez pas seul, c'est très important, mes amis. Je vous fais de gros bisous. Et croyez-moi que l'année 2024, là, cette année 2024, on va veiller du lourd. Je vous laisse. Attention à vous, les mecs.